Salut tout le monde, ici le nanin qui enchaîne, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de notre let's play sur Contrager. J'espère que je ne suis pas gouré, hein. C'est rare que j'enchaîne les épisodes comme ça, mais je sais pas. Putain, c'est quoi cette fois? Mais ces égouts me prennent un temps fou, c'est dingue. Je pensais pas que ça prendrait aussi longtemps. Je sais pas s'ils sont sensibles à la glace. Voilà, on va pas gasser de la magie sur des œufs quand même. Les œufs dont la date de parution est passée est un euphémisme. Une épée foudre. Est-ce qu'elle est meilleure que celle que j'ai actuellement? Toujours mauvais bouton. Là, je m'en doutais bien qu'il a été moins bien. Ok. Oh, je suis de l'autre côté. Je vais sauvegarder. La carte, juste pour voir. Ok. Il y a quand même 2-3 îles qu'on peut pas visiter, hein. L'île en bas, l'île au nord-est et l'île tout à l'est. Une grande montagne a un skin différent, c'est étrange. Dôme gardien. Ok, on dirait qu'il n'y a pas de jus. Oh, il y a quelqu'un. Quel joueur je vais lui donner? Oui, j'ai hâte de savoir quel programme vous allez me donner, professeur. Parlez-moi-en, professeur. Ton impatience me flatte et me donne de l'entrain. Alors, que dis-tu? Ça commence à prendre forme, hein? Ok, et toi le vieux, qu'est-ce que t'as à nous dire? Est-ce toi, Sarah? Cela fait si longtemps. Non! Vous ne devez pas y aller! Il ne faut absolument pas aller sur le monde des défunts! De toute façon, si ce n'est pas au bon moment, et si ce ne sont pas les bonnes personnes, il est impossible d'y aller. Ya ya. Mais avant tout, est-ce que vous avez mes plus grands chefs-d'œuvre? Le sanctuaire sous-marin et l'oiseau noir que j'ai conçu moi-même. Ils sont vraiment magnifiques. Ya ya. Très intéressant tout ça. Je peux appuyer sur tous les boutons. Et c'est quoi ça? Un blason mystérieux y est gravé. Il semble scellé par une force inconnue. Ok. Ok, tout ça a été extrêmement instructif. Hop là. Et si je monte là-haut? Y'a rien?
Il y a pas grand chose. Bon. Bon. C'est ça la montagne des défunts. C'est quoi ça? Mont de la mort. D'accord. Bon, 2 minutes, je bois un peu. Parce qu'une chose que j'ai appris en faisant des vidéos d'une heure, Nani. S'il y a une chose que j'ai appris en faisant des vidéos d'une heure, c'est que on a toujours besoin d'une bouteille d'eau avec ça. Ok. On peut pas y aller. Mais il faudrait être conforme à l'introduction, hein. Le monde des défunts et la montagne. Et la montagne. Le monde de la mort, c'est pas la même chose. Bon. Alors, comme je m'en doutais, ça permettait de passer sous l'océan. Sous le. Non, je. Non, je ne ferai pas ces blagues, ne pas faire la blague. Esquiver les œufs. Ah, très bien. Ah, ce pont aussi. Et ça, c'est-à-dire que tous les ponts et que donc il y a d'autres endroits qui étaient inaccessibles avant auxquels je peux accéder désormais. Comment ça, la porte est fermée? C'est n'importe quoi. Par contre, ce point-là est toujours pas mis. Bon. C'est pas grave. Ok, très bien. Et ben. Ouais. Je sais pas trop quoi faire là. Je pense qu'on a gagné quand même quelques niveaux, je sais même plus à quel niveau on était. Hein. Faudrait peut-être que je prenne robot après. Ah, ça c'est. Le truc bien, c'est qu'il y a des personnages que je peux choisir. Le truc mal, c'est que quand un personnage n'est pas dans ton équipe, il prend pas de l'XP et donc tu dois changer les persos. XP à côté, c'est un peu lourd. Bon bah je sens qu'on va peut-être essayer de retenter le boss. Mais comme la route est longue, on va faire une petite ellipse. Ouais, en fait, je fais CTRL R pour arrêter l'enregistrement et CTRL C la touche pour select. Donc sur ce, ellipse. Bon. Ah, la route était un peu longue, surtout parce que pour une fois j'ai perdu à la course. Donc, alors, d'ailleurs, dans cette grotte, il n'y a plus aucun ennemi, ne repop pas. C'est peut-être parce que c'est un lieu de passage entre ce continent et l'autre. Donc, on va retenter. On a gagné 2-3 niveaux quand même. Et on va bourriner comme des. Alors déjà une première série, on fait gaffe à la vie. J'ai acheté 10 potions, espérons que ce soit assez pour le boss. D'ailleurs comme c'est un boss, je peux pas voir sa vie apparemment, donc c'est un peu embêtant, je sais pas où j'en suis. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de soigner quelqu'un. Chrono commence à prendre un peu cher. On n'est jamais trop prudent. Alors là, je vais abuser des potions un peu.
concentré, c'est pour ça que je parle pas. Ah là. Une attaque qui touche tout le monde, ça, ça fait mal. Et voilà, en deux attaques, on est passé de ça passe à... Ah putain, mais il enchaîne, on n'a pas le temps. Ah mais c'est pas possible, comment tu passes ce boss? Au bout d'un moment, il commence à nous enchaîner. Il est beaucoup trop rapide en fait. Non, sérieusement, je vois pas comment le passer, hein. Je vois pas comment le passer. Ça allait très bien, puis il commence à enchaîner deux attaques avant même qu'on ait eu le temps de faire la moindre action. C'est... Je vois vraiment pas... Je vois vraiment pas comment le battre, hein. Il n'y a que lui comme cible. On va essayer de faire des attaques en différé. Il y a un qui fait des bulles, ça passe, hein. C'est un sort de zone, ça. Ok. C'est un peu de gaspillage d'MP théoriquement parce que j'ai fait. Mal. Au début, tout se passe très bien, Ah. Okay. Ah, je me suis bourré. Pourquoi j'ai fait ça? Elle fait pas plus mal qu'une attaque normale. Eh merde. Là il y a un poisson de garde, faut pas l'attaquer. Ok, normalement voilà 200, donc il devrait revenir. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer, il est en garde. Non. Ok, pour l'instant ça se passe bien.
Du moment qu'il nous fait pas l'attaque et touche tout le monde, ça passe, hein. Ah, ça y est. Je sais pas trop comment j'ai fait. Parce que j'ai remarqué qu'à un moment, il gardait. Peut-être que si tu l'attaques, quand tu gardes, il te balance des attaques qui font trop mal. Si seulement Mao-sama, celui qui donna naissance au dieu Lavos, avait éliminé la race humaine il y a 400 ans. Le monde actuel appartient à notre peuple, le clan des démons. Merde! Oui, je l'ai passé! Alors c'est bien Mao qui a créé Lavos au Moyen-Âge, la créature qui détruira le futur de la planète. Si on retournait au Moyen-Âge pour vaincre Mao, est-ce que l'histoire changerait? Nous pourrons utiliser le portail qui se trouve sur la place de la foire du millénaire. On dirait qu'on a un nouvel objectif. Voulez-vous sauter? YOLO! Ah, carrément! Carrément! Non mais... ça va, tranquille? Ok, d'accord, on était là, on était sur le continent au milieu. Sachant que... Ok. Ah, ça fait du bien d'être un peu de retour. Alors apparemment, faudrait aller dans le passé. En ce maritime, ouais. Oh, la place. De ligne. Et encore la fête? Ah les jeunes, aujourd'hui c'est la foire du millénaire, enfin, mais amusez-vous bien. C'est toujours la foire du millénaire? C'est pas fini. Oh là mon dieu, les voyages dans le temps. Voyage dans le temps. En réalité, il s'est passé que quelques instants ici. Ok. Et voilà, c'est ici que tout a commencé. Mais c'est aussi ici que va se terminer cet épisode. Il va être un peu court celui-là. Mais comme le précédent faisait 30 minutes, ou l'avant, ou celui d'encore l'avant, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Et bah dis donc, que de rebondissements, j'ai enfin réussi à ban ce boss. Après avoir farmé il y a 65 millions d'années. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!